Hey, salut tout le monde, c'est Colenso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur StarCraft Mass Recall. J'espère que cette série de vidéos vous plaise et aujourd'hui on se farcit la dernière mission de la démo de StarCraft 1 qui est Extermination. Donc celle-là je crois que je l'ai jamais essayée, donc là pour le coup ça va être une première que je fais avec vous. Donc j'espère qu'elle va pas être trop dure ou trop longue. Comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, si elle est trop longue, je couperai les moments un peu inactifs au montage de manière à ce que ce soit plus digeste et plus court. Donc pour l'instant, je sais pas trop comment ça va se passer, donc on va voir. Donc le briefing. Well done, Lieutenant. I wish there were more colonial officers that had your tenacity and spirit. But right now, we need to plan a tight defense. I've consulted with my top advisors, and I believe that if we can establish a perimeter, we can hold... There's no time for that, Magistrate. Our intelligence confirms that the time to strike the Xenomorph's primary clusters is now. Lieutenant, you will command the assault. By whose authority? I am still Magistrate of this colony, and I will... By order of the Colonial Crisis Act under subsection 1602. Supersede your authority in this matter. Lieutenant, you may commence with the operation. Ok, en gros le magistrat voulait qu'on établisse un périmètre de défense, un périmètre de sécurité, et le chef des opérations Cerberus l'a littéralement envoyé chier en fait. Ok, ça a pas l'air trop merdique à défendre vu comme c'est fait. Go, go, go! Go, go, go! Ah! Commander, what? Yes! J'ai failli attendre. Make up your mind. Ah, on a le tank de la mort, quoi. About time. Should work. Should work. Ok, et ben on va lancer une économie tout de suite, et c'est parti! Ça, je sens que c'est une connerie de le mettre là, on va le reculer tout de suite. On va plutôt le mettre par là, ce sera plus sûr. Ça, il y a la place, on va le mettre derrière plutôt. Voilà, vous voyez, j'essaie vraiment de sécuriser les bâtiments qu'on nous donne au départ. C'est toujours ça qu'on n'investit pas en fait en ressources. Right away, sir. Voilà, donc là on va se garder un truc pour la station comme stack qu'on va construire dans quelques minutes. Là on va faire des marines, un bunker et ben, on va essayer de sécuriser ça correctement. Hein. Ouais, alors je sais pas du tout s'ils ont gardé les stats. Non, c'est pas les stats du marine de StarCraft 2 ça, parce que je crois qu'il a 50 PV dans StarCraft 2. Donc ils ont bien remis les stats des unités du premier StarCraft. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi d'ailleurs. Je sais même pas comment. Ah non! Je suis tellement pas prêt à essuyer un assaut. Je sais. Mais là, de toute façon, il va me falloir du bunker, c'est obligé. Parce que les marines comme ça, enfin, je peux pas laisser les marines comme ça devant, en fait. Donc là, on va faire quelques bunkers histoire de sécuriser. On mettra des tourelles pour renforcer. Et bon, on va voir comment on fait. Hein. Ouais, ça, on va le mettre là. Ouais, là, vu comme c'est fait, je pense qu'on n'aura pas d'attaque par ici. Faudrait que je fasse une station comme ça pour être sûr, mais normalement, ça devrait aller. Alors, voilà. Ah, déjà avec deux bunkers, ça devrait aller, je pense. Lui, ça va être le constructeur attitré de dépôt de ravitaillement, je pense. Parce que là, j'ai pas le droit de manquer de population. Franchement, j'ai vraiment pas le droit. Ouais, Duke me survive, ça je m'en doutais un peu. Mais bon, il va être le pilier central de ma défense, donc... Donc voilà, on va pas trop avoir le choix. Yes, sir. Right away, sir.
Ouais, je dirais que si je pouvais réussir à placer un troisième bunker quelque part, ce serait pas mal. Ah là, par contre, le plus gros danger pour les bunkers, ça va être les tanks, hein, clairement. Wow. Voilà, vous voyez, on a vraiment sur cette map, c'est du mal à lancer l'économie. Mais je pense qu'une fois que ce sera lancé, ça ira bien. Ah, c'est vraiment le début qui est pas évident. Mais je pense qu'après, une fois qu'on est lancé, on sera vraiment posé, pépère. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est prendre de l'avance sur le gaz. Parce qu'on en aura un peu plus besoin après, je pense. Je sais pas du tout ce qu'on a comme unité. Medic, Marine, Flammeur, c'est correct, hein, pas de soucis. Hop. Bon, là, toujours le même délire au début pour lancer l'écho, c'est pas évident. On va prendre de l'avance tout de suite, là ça va être 4 minimum. Ouais, là il va me falloir 2 réparateurs. Je pouvais pas trop me le permettre avant, mais là il le faut. Parce que sinon je vais y laisser tous mes... Toutes les constructions que je vais faire, elles vont se faire démolir direct, alors c'est même pas la peine là. On y est. Ouais, je pense qu'on va s'en faire un comme ça. Ouais, je pourrais faire des flammeurs, mais je sais pas si ce serait vraiment efficace pour le bunker, d'autant plus qu'après on va surtout avoir des hydralisques, il me semble. Les Zerg utilisent beaucoup les hydralisques, surtout dans le premier StarCraft. Donc je suis pas sûr que ce soit un bon parti de faire des flammeurs là pour le coup. Plutôt pour l'attaque, les flammeurs. Pas tellement pour les bunkers. Alors toi par contre, faut que je te bouge du coup. Ah bah... Il a bien attendu son moment lui pour attaquer, tiens. Bon ça va, du coup ils se sont fait atomiser. Bon voilà, je pense que ça devrait bien se passer dans la globalité. Faut juste que je me fasse pas déborder en fait au niveau de ma ligne de défense. Je crois que je peux même mettre 5 VCS là dans le truc de gaz. Il est tellement éloigné. Ouais, nickel. 5 c'est parfait. Ok, donc toi tu restes là pour réparer. On va avoir besoin de toi, je crois. Les Marines, important. Voilà, il commence à y avoir du monde, c'est pas mal. Je pense qu'il m'en faut au moins 2 de plus sur les ressources. Voilà, là c'est pas mal. Pas parfait, mais pas mal. Donc là, il va falloir que je pense que vous en êtes rendu compte, il va falloir que je développe des tanks vraiment le plus vite possible. C'est vraiment ce qui va faire le taf, là. En tout cas, défensivement. Une académie, ouais, je vais en avoir besoin de toute façon. Ça, l'académie, ça va être pour faire des flammeurs, pour faire des médics aussi. Parce que les médics, franchement, on sait, enfin, ceux qui jouent à StarCraft savent à quel point c'est indispensable en tant que terrain les médics. Et après, lui, on va lui dire de nous faire des tanks. Ah oui, l'académie nous permettra de faire la station comme ça aussi. Ce qui est pas rien. Ok, donc là on peut passer comme ça. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, donc là je dépense les ressources en allant, comme ça. Là je vais vraiment pouvoir me faire une armée taillée sur mesure comme il faut. On va commencer à produire des Marines, puisque là j'ai quand même de quoi produire pas mal, j'ai une bonne cape des squads. Donc, on n'est pas en danger. J'ai une bonne limite de ravitaillement.
tant que j'arrive à garder Duke en vie, normalement ça va bien se passer. Ça a failli être chaud là quand même. C'est pour ça qu'il me faudra plus de tanks. Puis bon, je pense que vous avez compris qu'après, quand il y aura 4 ou 5 tanks, les ennemis arriveront plus tellement à arriver aussi près. C'est vraiment au début que ça fait ça. Ok, alors là, des medics, ça va être indispensable. Ça aussi, parce que ça améliore la portée des marines, et du coup, bah, dans les bunkers, ils vont avoir une portée beaucoup plus élevée. Ce qui n'est pas rien. Alors, bah, faut que j'améliore l'armure de l'infanterie, bien entendu. Les consultations sont ouvertes. Voilà, donc là j'ai laissé un petit espace entre les deux parce que c'est l'espace qui va me permettre de créer la petite extension. Donc je pourrais vous redonner le nom parce que là je l'ai plus en tête. Comment elle s'appelle cette extension déjà? Les consultations sont ouvertes. C'est ça. Machine Shop, c'est la Facility. Enfin bon. Je sais plus comment ils appellent ça. Atelier des machines ou un truc comme ça. Je crois que c'était atelier des machines. Ouais, je sais pas du tout où le mettre ce machin. Ouais non, il aura pas la place d'aller là le constructeur. On va plutôt le mettre là. Ça dérange personne ici. Ah l'enfoiré. Ouais, donc là les mutalisques ça commence. Bon là, marine plus médic normalement contre les mutas, ça marche bien. Donc pour l'instant on va mettre des marines ici avec des médics, je pense que ça suffira à contrer tout ce qui est mutalisque. Ah, il est passé où le constructeur? Parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir que je vais peut-être avoir besoin quand même de quelques tourelles pour soutenir les marines. Voilà, et eux on va les mettre là, ils seront très bien ici. En soutien. Tac. Là on reprend un VCS parce que si on n'a pas deux VCS pour réparer, c'est le bordel. Je dirais même que dans l'idéal, si vous pouvez en mettre trois, c'est mieux. Mais bon, je peux aussi vous montrer que ça marche avec deux. Voilà, donc là, des tanks, il en faut. C'est vraiment un des trucs qu'il faut le plus dans ce jeu, c'est les tanks en tant que terrain. On est tout le temps en train d'essayer d'avoir des tanks pour la défense. Et après, après les tanks, quand on a des unités aériennes, on essaie de faire généralement des ombres ou des cuirassés. Mais les cuirassés sont quand même vachement plus efficaces que les ombres pour le coup. Il est passé où? Il est là. Donc après, quand vous avancez dans la campagne, un petit truc sympa à savoir aussi, c'est que les bâtiments comme ça, comme les centres techniques ou les armureries, ça peut être très intéressant de les faire en double, parce qu'après il n'y a plus un niveau de recherche mais trois, et quand il faut faire les trois niveaux de recherche, ça vous permet de les faire vraiment très très vite. Mais ça c'est si vous avez des ressources à dépenser, bien sûr. Faut pas faire ça si vous avez pas beaucoup de ressources et que ça vous fait sacrifier votre production d'unité ou que ça vous tue carrément votre production de ressources. Faut surtout pas faire ça si ça vous prive d'autres choses. Voilà, donc là on va lancer les ressources. Voilà, vous voyez, avec des tanks déjà on va commencer à être à l'aise. Avec les deux VCS qui réparent quand il y a besoin, là je pense qu'on va commencer à être bien. Il est là. Parce que du coup celui-là, il faut qu'on lui fasse construire ça. Ouais, le steampack, on va le rechercher là pour le coup, il va vite être indispensable. Et voilà, la station Comstack que j'ai oublié de faire, j'avais dit que je la ferais, je l'ai pas fait. Ah putain. Ouais, d'accord. Absolument. Ouais, si ça target assez loin, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'avec 5 tanks, ça permettra de bien soutenir. Et ici, toujours un petit groupe de tourelles, donc qui permet de calmer les mutalisques, avec ici un groupe de marines, ce qui nous permettra de les gérer efficacement. Hop là. Hop, hop, ouais ça marche bien. Les trucs anti-aériens, je vais vérifier, mais je pense pas qu'on puisse... Ah si, on peut faire des ombres, mais je vais préférer les Goliaths qui seront plus efficaces.
Les Goliaths me permettront de soutenir plus efficacement les Marines, donc on va préférer les Goliaths. Voilà, voilà. Donc là, je crois que... Voilà, donc vous voyez déjà, rien que le fait d'avoir des médics par ici, je crois que je vais même laisser un ou deux médics autour des VCS, ça permettra de gérer plus efficacement le soin au niveau des VCS, parce que les VCS, sinon, ils ont tendance à paniquer, à faire n'importe quoi. Donc, voilà, on va faire deux médics, ils resteront en soutien. Alors, on avait dit... Ouais, voilà, c'est ça, là, ça va vers le bord de la carte. Je pense, vraiment, je pense qu'ils attaqueront pas par ici. Hein. Donc... Si on suit la route, il y a un pont ici, donc il n'y aura pas de base à proximité. J'aurais même pu défendre ici directement, je pense. Mais bon, en défendant ici, le problème, c'est que si ça descend plus bas ici, je suis baisé après. Probablement une urgence. Ouh, ça a l'air grave. Voilà, donc là, les médics. Les consultations sont ouvertes. Pas de problème. Allez, c'est quelques médics avec les VCS, ça permettra d'éviter que les mutalisques fassent trop de dégâts. Alors lui, il va avoir un rôle crucial, c'est de construire plein de dépôts de ravitaillement, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Là, notre écho est bien lancé. On va pouvoir commencer notre production d'unités. Hop. Des Goliaths, comme je l'ai dit. Parce que les Goliaths qui soutiennent les Marines, en général, ça marche plutôt bien pour progresser. Et après, on fera quelques flammeurs qui nous permettront de gérer correctement tout ce qui est Zergling et Hydralisk. Et puis après, tout ce qui est Ultralisk, on se concentrera un peu plus pour les gérer. Voilà, donc là, je pense qu'on est assez bien placé sur la carte. On va pas avoir trop de problèmes. Ah voilà, là, on a un assaut qui se prépare, donc j'ai bien fait de lancer un scan maintenant. Wow, ils se sont fait atomiser, ils ont rien compris. Voilà, donc vous voyez là, avec les 5 tanks, il n'y a vraiment rien qui passe, hein, on est à l'aise. Et les médics nous permettent de faire en sorte que les VCS fassent pas trop n'importe quoi, ça c'est vraiment bien. Voilà, donc je pensais que j'aurais besoin d'un groupe de soutien, mais même pas. Ça a marché impec. Voilà, donc lui, bah, il va continuer à nous construire plein de dépôts de ravitaillement. Voilà, donc après on va construire un deuxième centre de commandement puisque ça nous permettra de d'avoir un command center d'avance pour quand on investira de nouvelles bases. Et on pourra expandre correctement. Ouais, je suis sûr qu'il va y avoir des ressources par là, c'est obligé. Vu les routes comme elles se croisent, il va y avoir des ressources par là et je pense que ça va pas être vers le haut. Vous voulez du feu ? Voilà, donc après il y en a aussi qui feraient carrément une deuxième usine pour pouvoir faire plus de Goliaths. Mais on n'a pas besoin de tant de Goliaths que ça, il faut s'occuper. Ouh, ils se sont fait calmer là. Ah donc là, voilà, c'est ça l'utilité d'avoir un groupe mobile, c'est que là il y a des gardiens sur cette carte. Et les gardiens, c'est des unités anti-sol qui font énormément de dégâts. Et on est très content d'avoir d'avoir quelque chose qui nous permette de répliquer face aux gardiens. Là vous voyez j'ai pu envoyer mon petit groupe et ils ont quand même bien défendu mine de rien. Ouais. Ouais alors du coup il y a un médic qui est... y a un médic qui a déserté, c'est pas cool. Voilà, on va les mettre là. Hop. Et des marines pour le reste, hein. Je pense que vous avez compris que ça devrait suffire. Normalement, j'ai pas besoin du reste. Ça devrait le faire. Ouais, ok. On va donc faire comme ça. Ah, je pense qu'il a, il a du travail pour un petit moment. Et après cette flopée d'unités, déjà, on va lui faire faire quelques médics histoire d'être sûr qu'il y a assez de soins. Et
on pourra voir pour se construire un deuxième command center. Donc là, voilà ce que je disais, il y a bien une base ici. Donc s'il y a une base ici, il y a des ressources, très probablement. Et ouais, là, il prépare un autre assaut, j'ai l'impression. Donc je pense que j'attaquerai dès qu'il aura balancé son autre assaut. Donc du coup, ici, ça me laissera une place quelque part pour construire un command center, ce qui est pas plus mal. Voilà, donc on fait grandir le groupe. Voilà. Donc ici, notre second command center. Hop, donc là vous voyez, hein, niveau réquisition, je pense qu'on sera jamais vraiment dans le mal, à part si l'ennemi arrive à atteindre notre réserve ici, mais normalement ça devrait bien se passer. Je vais même me permettre de faire quelques flammeurs. Donc là vous voyez vraiment les ultralisques n'ont aucune chance d'arriver quoi, enfin ils arrivent au corps à corps, ils ont le temps de mettre 3 coups et puis c'est fini quoi. Vous m'avez appelé ? Voilà. Je pense qu'on va commencer à être pas mal. Ouais, là on va pouvoir... Donc là je pense que comme je vous le disais, c'est une phase que je vais en grande majorité passer je pense, parce que c'est vraiment la production et c'est pas super intéressant à regarder. Je montrerai plutôt le nettoyage qui est quand même plus intéressant. Je ferai du 50-50 très probablement. Ok, donc là je pense qu'on peut y aller, on a un groupe assez badass. Il y a un peu de tout dedans en plus. On a du flammeur, du marine, du médic, du Goliath. Allez, viens de battre. Alors là, forcément, les flammeurs qui partent devant, c'est pas très cool, mais bon, on va faire avec. Voilà, vous voyez, les gardiens sont quand même assez résistants. De mémoire, ils l'étaient nettement moins dans le premier StarCraft. Mais du coup, bah là. On va faire avec, hein. Je pense que s'ils sont aussi résistants, quand je joue la race Zerg, je vais m'éclater. Parce que les gardiens, c'était une unité que j'aimais bien jouer. Voilà, donc vous voyez, là, on arrive vraiment au bout des ressources. Donc, pendant que ça attaque, on va faire un truc. Ouais, d'accord, ça monte au-dessus. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Voilà, là, vous voyez, il se défend, il était en train de préparer un autre assaut. Ouais, on va peut-être pas utiliser les packs de stimulants parce qu'on a assez d'unités. Mais si jamais vous pouvez utiliser les stimulants, ça peut être pas mal. Surtout là, quand j'aurai neutralisé tout le monde et que tout le monde sera soigné, ça me permettra de nettoyer la base plus vite. Et ça, c'est un immense avantage. Voilà, donc on a perdu à peu près la moitié de notre effectif. Voilà, stimulant. Donc là, tous nos marines et flammeurs attaquent plus vite. Donc là, on a plus de flammeurs. Mais en gros, tous les marines qu'on a vont attaquer plus vite. Et ça, franchement, c'est génial. Je pense que vous entendez la vitesse des fusils. Là, ils se font vraiment calmer, les ennemis. La base s'est pliée. On va vite fait, mais normalement, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a vraiment rien ici. Donc le passage noir là, c'est vraiment un endroit où il y a rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se récupérer tous les petits constructeurs qui du coup ne peuvent pas faire grand chose. Ah, on en récupère encore deux, et ils iront sur la seconde base. C'est plus intéressant de les garder sur la seconde base. Allez, un petit coup de simulant et let's go. Bon, les œufs Zerg, je vous conseille de ne pas les attaquer parce qu'ils sont vraiment... ils sont abusivement résistants en fait. Donc si vous pouvez ne les attaquer pas et attaquer surtout ce qui est autour, ce sera mieux. Bon, là vous voyez la vitesse à laquelle la couveuse se fait défoncer, ça devrait même pas être permis. Voilà, donc... on va se refaire un petit groupe. Enfin, petit, c'est relatif, quoi. Et on va commencer à créer une expande. Parce que là, on va pas tarder à manquer de minerais. Et on a besoin de minerais.
quoi. Donc là, on va acheter les œufs. Oh putain. Je m'attendais pas à ce que ce soit un gros truc comme ça qui sort. Là, ils nous ont sorti un ultra disque. Bah bon, j'avais encore assez d'unités pour le gérer. Donc ça allait. Goliath online. Là, normalement, j'ai pas grand chose à craindre. Bon, normalement, c'est dégagé, donc là, ça va être bien. Ah, voilà, donc ça. Voilà. Je pensais pas qu'ils avaient foutu des hydralisques ici, mais j'ai bien fait d'aller vérifier. Bah, du coup, ils en ont peut-être foutu sur la passerelle qui est là. Donc, par acquis de conscience, on va quand même aller vérifier. Hein. Hop. 4, c'est parti. Ah, donc là on arrive vraiment au bout des champs de minerais, il va vraiment être temps de déporter la base là. On va vraiment manquer de ressources. C'est vrai que là les mutalisques sont complètement craqués. Voilà, je crois que ça devrait aller. Mais bon, après, quand on aura détruit la base qui gère les mutalisques, normalement on sera bien. Ok, donc ça, voilà. Nickel. Ah, donc on se refait une com stack puisqu'elle nous permettra de voir un peu ce qui est autour. Et on va surtout se concentrer sur le fait de faire des constructeurs après pour pouvoir investir rapidement le geyser de gaz Bespin, même si là c'est pas urgent. Donc voilà. Ça c'est épuisé, d'accord. Bah non, on va pas s'emmerder à refaire des constructeurs. On va plutôt les envoyer sur la nouvelle base. Voilà, ça ici. On va aller renforcer notre groupe déjà existant et puis bah, on va repartir à l'assaut. Hein. Puisque là on n'est pas si mal. Ah, j'avais pas vu, mais il a remis un mutalisque. Vraiment là, les unités Zerg, je les trouve vachement plus résistantes qu'elles devraient l'être. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Ok, alors par contre je sais pas trop par où passer pour bien défendre mon expand. Dans l'idée, on va essayer de passer par là, on verra bien. Il doit y avoir quelque chose par là, je pense. Ah ouais, ça a l'air. Ça a l'air en tout cas. Bon là vous voyez les médics qui nous permettent de gérer correctement les mutalisques. C'est pas rien. Là je pense que 4 suffiront, pas besoin de 5. Voilà. Ici là je pense qu'on va être bien. On a détruit encore un avant-poste. On va se concentrer maintenant plus sur le fait de d'aller détruire les bases qui peuvent nous gêner, donc celles qui génèrent les gardiens, celles qui génèrent les mutalisques. Je pense qu'il doit plus y en avoir tant que ça là. Celle-là était embêtante parce qu'elle pouvait envoyer des unités par le sud. Je pense que les autres bases devraient pas être. Ah, mais en fait, il y a des ressources un peu partout sur cette carte. Si jamais vous voulez vraiment faire une guerre de position, là vous pouvez. Je pense que j'ai un groupe assez important. Ouais, là je pense vraiment que il va falloir suivre la route qui mène plus bas là. Y a quoi par là? Ok, donc par là y a rien. Ah, donc y a quelque chose par là, je sais pas trop où ça mène. Est-ce que...
ça c'est un dominant, va falloir que je me méfie. S'il peut amener des dominants par ici, c'est qu'il peut amener autre chose. Ok, donc là, il y a un accès quelque part par là, c'est obligé. Il y a des bases vers le sud. je sais absolument pas quelle est la taille des bases, mais il y a des bases. Oh. Ça n'a pas l'air très grand ce kilo. Ouais, là les Goliaths rallongent un peu la durée de vie des Marines pour le coup. Alors. Ok, donc Steampack déjà. C'est parti. Ah voilà, donc ça c'est la grande aiguille. Là, c'est ici qu'il génère ses gardiens. Non mais tuer les gardiens. Voilà. Parce que les gardiens c'est vraiment ce qui va poser le plus de problèmes. Ah les masses. Ils ont accouru, c'est vrai, c'est ça. Masse, fléau. Je crois que dans le premier c'était des masses. Maintenant c'est. Ils ont appelé ça des fléaux dans Starcraft 2. C'est pas une mauvaise traduction en soi. Hein. Alors là, on va refaire un deuxième groupe offensif parce que je sens que ça va pas suffire. Ok, donc là, ça y va tranquillement. Ouh, elle est grande la base, elle est très grande. Ok, on va regrouper tout ça, ça va me permettre d'utiliser les stimulants. Parce que là, ils sont plus très nombreux les Marines, si je regarde bien. Ouais, il y a pas mal de medics, il y a autant de medics que de Marines. Donc là, il faut vraiment utiliser les packs de stimulants. Et les renforts que je vais envoyer, ce sera que des Marines, puisque là franchement ça sert à rien, de renvoyer des medics, je pense, peut-être un ou deux pour s'assurer que tous les Marines arrivent en vie. Ah putain, c'est résistant ces saloperies. Là c'est plus pour s'assurer que l'unité ne sorte pas en fait. Voilà. Donc là c'est surtout ça qu'il faut produire. Des Marines, des Marines, des Marines. Donc ici la station de communication. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a vraiment rien ici. Ah, il y aura peut-être une base par là mais c'est pas sûr. Colonie de sport. Ouais, remarque, tu me diras, le design n'a pas trop changé. Qu'ils aient laissé les tourelles anti-aériennes qu'ils ont mis dans Starcraft 2, c'est pas illogique. Bon, alors là du coup je pense que le groupe que j'ai fait il n'était pas nécessaire, mais bon c'est toujours utile de refaire des renforts quand vous attaquez. Comme ça si jamais vous vous plantez, vous avez de quoi vous défendre si l'ennemi vous ressort un assaut de la mort qui tue après. Et ça je pense que vous en rendrez compte quand vous ferez les campagnes, et notamment les campagnes de Broudoir qui sont vraiment... les campagnes de Broudoir sont vraiment difficiles, surtout les dernières missions, elles sont vraiment pas évidentes à gérer. Et là je pense que je vais pas mal couper dans les missions Broudoir, ou alors que je les mettrai plutôt en deux parties, parce que c'est... Je pense que ça peut être important de voir comment gérer la carte. Ouais, là je suis pas sûr quand même. Alors, je pense que par là il y aura plus de base, donc ce que je suis en train de détruire c'est vraiment la fin. J'ai peut-être oublié une base quelque part, ça c'est possible. Bon, en tout cas je suis content parce que je pensais que ça irait moins bien que ça en fait. Je m'en suis vraiment pas mal sorti. Un petit coup de stimulant. Voilà, donc purée. Ouais, donc du coup je vous laisserai l'épisode entier puisque là ça me paraît bien comme ça. Receiving incoming transmission. Lieutenant, by edict of Confederate High Command, all matters regarding these xenomorphs are under class 7 seal.
do not speak of the existence of the Xenomorphs, or in any way relay the events surrounding their appearance on Chao Sara. Failure to comply with these orders will result in immediate termination. This conversation never took place. We were never here. Ouais, Cerberus, c'est un groupe plus ou moins mandaté par le gouvernement, si j'ai bien compris. Et là, ce qu'ils leur disent, c'est qu'en gros, ils leur disent cette formule nous n'avons jamais eu cette conversation, nous ne nous sommes jamais vus, nous n'avons jamais été ici. Et si vous parlez de ça à qui que ce soit, nous serons obligés de détruire toutes vos colonies. En gros, c'est ce qu'ils leur disent, quoi. Donc voilà, Victory. On a peut-être une cinématique ou un résumé à la fin, je sais pas, peut-être. Oui, apparemment. Over the following weeks, the Confederate Institute, the planet-wide lockdown which restricted all total communication. Nanana. Ouais, donc en gros, l'escadron Cerberus a intercepté toutes les communications vers Chao Sara. Donc les Confédérés et ceux qu'on jouait sont obligés de contenir leur savoir, leur connaissance sur l'infection xénomorphe. Et barrage confédéré. Donc là, c'est en gros, c'est ce qu'ils disent. Hein, là. Ils ont mis en place un barrage de propagande pour éviter que les gens se rendent compte de qui a eu les ergues. Et ils ont renforcé la haine contre les fils de Coral. Donc ils ont fait de la propagande contre les fils de Coral pour faire oublier les ergues des esprits. En fait, dans l'idée, c'est ce qui est résumé. Donc voilà. Voilà, donc c'était l'épilogue de ce... Voilà, donc là on a un petit générique. Je vais voir si je peux pas le passer, je préférais plutôt laisser le générique après la campagne si possible. Donc ça c'est... Voilà, ouais, en fait après chaque série de missions, je pense qu'ils mettront ça. Donc là c'est toutes les personnes qui ont travaillé sur la création de StarCraft Mass Recall, donc que ce soit le mode, les modèles, les 3D, les textures. Donc j'aurais aimé vous le passer parce que je vous le mets à la fin des épisodes. Donc là je pense que exceptionnellement je vous mettrai pas le générique à la fin de cet épisode, puisqu'effectivement bah là vous voyez il y a toutes les spécificités, enfin tous les créateurs, toutes les musiques employées, ils les mettent là. Donc je ne remettrai pas le générique à la fin. L'histoire continue dans épisode 1, le cri rebelle. Rebelliel, ça veut dire le cri rebelle normalement. Et donc là, ça charge. Donc bah sur ce, c'était Colin Zoday, Connectic Warriors Entertainment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais bon, vu la taille, elle est encore uploadable, il n'y a pas de problème. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce vert ou un pouce violet, hein, comme vous préférez selon la couleur. Un pouce rouge si ça ne vous a pas plu, abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez voir les autres vidéos. Également, partagez nos vidéos pour nous rendre plus connus. Et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Google+, et également sur tout le réseau gaming. Sur ce, c'était Colenzo des Connectic Warriors Entertainment, et je vous dis à plus.